Salut à tous. Allô? Est-ce qu'on nous voit? Est-ce qu'on nous entend surtout? C'est ça la question, est-ce qu'on nous entend tous les deux? Ah oui, les deux, tiens. Ben oui. C'est la grosse évolution de notre setup de stream. Non, moi, je vois, faut que j'affiche ton chat parce que du coup, je vois pas les autres gens. Yes. En double, ah bah oui, du coup, Personne ceux qui qui parle dans sont le sur mien. le. Ceux qui sont dans le multi-twitch, du coup, oui, il faut en couper un des deux, quoi. Mais du coup, au moins, ça veut dire que maintenant, on nous entend tous les deux. Donc, c'est plutôt cool, hein. Ça fera une meilleure VOD. Ça marche bien ça? Attends, tac. Ok. Je vois personne, je vois rien dans ton chat. Tu vois des trucs toi? Il faut y être dès le départ, en fait, pour voir des choses. Sinon, ça reprend à partir du moment où tu t'es mis dedans. Ok, bah du coup, ce qu'on va peut-être faire, c'est que pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, déjà par faire un rapide résumé de qu'est-ce que c'est le projet, expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois, peut-être vous le montrer rapidement, et puis bah, parler de ce qu'on va faire aujourd'hui, et puis bah, démarrer. Ce sera déjà pas mal. Et du coup, je remarque qu'on voit le ngrok qui tourne là à l'écran. Et il n'y a aucun petit malin qui a essayé. Ok. J'ai Ah, du coup, on a un panel spoilé, j'ai aussi. spoilé. Allez, mais moi, j'affiche rien encore chez moi. Il n'y a que ma tête. Ok, ouais. Bah, t'as spoilé de mon côté, quoi. Ouais, c'est toi qui m'as spoilé en Ok. fait. Ah non? Ah non, c'est Du ok. coup, Bref. tu fais un rapide résumé du projet, Charlie, du coup? Bah fais un résumé toi de ce que t'as fait, c'est toi qui as fait les derniers trucs. Alors. Donc déjà le projet Père Roulette, l'idée c'est de mettre en relation en fait des développeurs qui souhaiteraient faire du pair programming sur des projets open source. Donc on va se servir de GitHub pour permettre aux personnes de se connecter et ensuite les mettre en relation en fonction de leurs préférences. Donc ce qu'on a fait la dernière fois. Si j'ai toujours accès au ngrok, c'est qu'on a mis en place l'authentification, donc déjà le fait de pouvoir se connecter avec GitHub. Donc là, quand je me sign in, alors, je me suis déjà connecté, du coup, forcément, il me repropose pas la manière de connexion de Firebase Auth. Mais du coup, on a mis en place cette connexion. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré toute une liste de langages. Et puis bah, après, on peut en sélectionner plusieurs et enregistrer nos préférences. Oh, ça casse. Très bien. Qu'est-ce qui casse? On a un server timestamp of undefined. Cool. Sur le modified at. Ah. Ok. Et eh ben ça marchait en théorie. Mais là, ça ne marche pas. Ok. Très bien. Oui, c'est vrai, je pourrais montrer en navigation privée. Bah tiens, on va faire Ben ça. vas-y, fais-le. Au moins, on verra bien la mire de login. Par contre, je sais pas pourquoi le serveur timestamp il marche pas. Ah, too many connections. Bon, bah ngrok est pas d'accord. Voilà. Donc double effet démo. Donc c'est très bien. Un gros qui est pas d'accord, comment ça, il est pas d'accord? Il dit qu'il y a trop de connexions. Je pense qu'on ne peut pas être à plus de deux à la fois. C'est possible, hein. Pourtant, je vois pas les Merci. requêtes passer, mais bon. Okay. Bah, c'est que je pense qu'il le bloque. Il le bloque J'en vois avant que une tu les reçois. ouverte là. Il y en a une qui est Ouais. ouverte. Après, peut-être que si je ferme celui-là et que je teste dans la navigation privée, Ouais, il sera d'accord. oui, parce Yes. qu'en fait, il y a une WebSocket qui est ouverte et ce qui permet de voir qu'il n'y en a qu'un, quoi. Ok. Et du coup, là, on voit bien que tac, je peux me connecter en théorie. Wouhou! Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Non, je me suis trompé dans mon mot de passe. Ah, oh, et en plus, maintenant, faut la joie du multifactor authentication.
Alors, vous avez vu le code, mais il est plus valide maintenant. Ok, donc là on voit que ça fonctionne, sauf que a priori, en fait le created at il a fait la même chose. Je pense qu'on a fait une Non. connerie avec notre serveur timestamp. Ben, pourtant, c'est Donc quelque du chose coup, que là... j'ai repris de la doc après. ouais, mais quand on essaye de stocker là dans notre created at, ça nous met le nom de la méthode et non pas la valeur du timestamp. Ok. Bon, c'est pas grave. C'est pas trop l'objet de ce qu'on voudrait faire ce soir. Du coup, peut-être tu présentes le programme de ce soir, Ouais. Charlie? Alors, du coup, ce qu'on veut faire maintenant, c'est entamer la partie roulette. Donc, où en fait, on va sélectionner les gens de manière purement aléatoire au début, avec peut-être quelques restrictions, parce qu'on demande aux gens de sélectionner leur langage préféré ou les langages qu'ils souhaitent découvrir. Donc, peut-être se baser là-dessus et faire un random et voilà. Parce que voilà, on n'aura pas un gros échantillon dès le début. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester Firebase Simulator en fait pour pouvoir tester tout ça. Et en voulant protéger le Firestore avec des Firestore Rules, je suis tombé sur un exemple en fait qui montrait comment tester ça, comment tester les règles du Firestore, etc. Il y a tout un projet GitHub là-dessus. Donc on est reparti de là. On l'a pas encore adapté à nos règles Firestore, donc ça va peut-être être le début, voilà, pour prendre en main le truc et voir comment ça fonctionne. Et ensuite, l'idée, ce serait de créer une première Cloud Function qu'on déploiera pas, hein, on va tout faire en test pour le moment, où on viendra générer un ensemble de personnes, donc très certainement avec Faker, pour pouvoir faire nos tests. Voilà, en gros. Et donc tout ça en TDD. Voilà. Si toutefois on y arrive. Bah, TDD, peut-être pas pour la première partie, puisque ce qu'on va faire, c'est commencer par tester ce qu'on avait fait la semaine dernière pour vérifier que ça fonctionne bien. Et comme on peut le voir, ça ne fonctionne pas bien. Mais ouais, on va commencer peut-être par cette partie-là. Donc, peut-être la création d'un utilisateur, pour commencer. Bon, déjà, on Non, va c'était pas en regarder, ce TDD. qui est... Parce Non, c'était pas. qu'on était complètement perdu, on savait même pas où on allait. On veut du TDD, Je vais cool. regarder. Je te vois taper, mais je sais pas où tu tapes là. Non, je tape dans mon navigateur. Je suis Ouais. beaucoup trop curieux du serveur timestamp. Ah Vas-y, mince, mauvais lien. cherchons le serveur timestamp alors. Je regarde juste. Ah, c'est là qu'il y avait le fameux firebase.firestore.fieldValue et c'est moi qui ai fait ça, cette coquille-là. Ouais. Donc du coup, ça vient peut-être du firebase.js. En gros, pour la petite histoire, on a voulu lancer ce qui avait été fait, là où s'était arrêté Ivo la semaine dernière. Et donc du coup, on avait une erreur sur la ligne, la modified at. En gros, on avait marqué firebase.firestore, etc. Et ça plantait là-dessus parce que c'était non défini. Donc évidemment, c'est non défini parce que ce que nous on récupère, c'est app, là, grâce au use Firebase app. Donc c'est peut-être que là-dedans, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse pour qu'on puisse utiliser le firestore.fieldValue, etc. Ah oui, tu peux aller regarder ça, parce qu'en fait, là, a priori, selon la doc, on a bien le app.firestore.fieldValue.serverTimestamp, c'est censé Ouais, mais fonctionner, donc... ton app en fait il provient du initialize app et je suis pas sûr que ce soit ce retour-là qu'on veuille. Je pense qu'on veut vraiment le Firestore normal en fait. Alors je sais pas si Zoomilo, c'est ça le nom? Ouais. Ouais, il est dans le coin normalement, je Si l'ai vu dire bonjour. la lumière par rapport à ça. Ou alors juste on tente, hein, on est des fous. Pff, je sais pas trop. Est-ce que par contre, enfin, en soi, cette partie-là des timestamps, elle nous empêche pas Non, non. de commencer à tester au niveau des règles, donc on peut peut-être commencer par essayer de faire tourner les tests comme ça, et puis on pourra voir ça dans un second temps.
Qu'est-ce qu'il dit? Use Firebase app, return app. Ben mais Ben, on a un use c'est... Ah Firebase non, app, Return return app Firebase, là. il nous dit, lui. Ah. Vas-y. Ah, d'accord. Allez. J'ai compris. Bon, ben, on retente. Donc là, tu as du hot reload normalement chez toi. Ouais, Moi, c'est j'avoue, je bon. suis un peu feignant, je reste sur mon vie où je suis bien. Ah, il n'y a pas d'erreur qui pop. Bah, on peut toujours regarder dans la console. T'es en train de me dire que ça fonctionne, quoi. Je pense, il n'y a pas eu d'erreur. Et bah dans ce Alors. cas-là, bon, on va juste laisser comme ça, mais ce qu'on pourrait faire, c'est que le const app, il sert à rien, en fait. Ah, je suis pas sur le bon, je suis pas sur le bon compte pour faire pour regarder la console, c'est un peu emmerdant. Console Firebase Database de paire roulette. Mais on a vu le chat, hein. C'est avec ce qu'il disait. Et du coup, là, on a bien un modified at qui est de maintenant. Ok. Donc c'est cool, ça fonctionne. Cool. Eh ben, Ok, merci merci beaucoup, Zoumilo. Zoumilo. Ok, et eh ben du coup on peut passer maintenant qu'on a un code qui fonctionne, on va le tester. Du coup, je vais juste me permettre un truc. Tac, ça. Ouais. Et En ici, fait, parce que l'idée. ça, du coup, c'est juste Firebase. Et voilà. Et Ok. roule! L'idée de ce qu'on voudrait faire là, en fait, pour les tests, c'est pas en fait, c'est pas anodin, c'est que on voudrait pouvoir commencer à développer la Cloud Function, mais sans avoir à déployer ou sans avoir à générer un jeu de test important ou vous demander par exemple de vous authentifier pour qu'on ait un jeu de test. L'idée, c'est que là, ce qu'on voudrait faire pour la roulette, c'est générer toute une masse de données avec Faker et avec des préférences aléatoires et ensuite bah, tester notre algo sur ces données-là pour voir ce que ça donne. Et ça nous donnera une masse importante de données, donc du coup, on pourra être un peu plus précis, quoi. Ok. Ouais, mais surtout avoir un truc qui soit testé en fait, parce que là jusqu'à maintenant, Ça aussi, c'est cool, ouais. voilà, on a découvert les choses, mais bah on n'a rien testé, donc on voudrait quand même s'assurer que notre truc, bah il fonctionne dans le temps quoi. Yes. Ce qu'on a fait, en fait, si, tiens, on va vous montrer. Donc on utilise Firebase Emulator. Et donc là, on le fait tourner, pour le moment, on l'a fait tourner uniquement sur le Firestore. Et je pense que même pour faire tourner la Cloud Function, juste pour le code, juste pour la logique métier, en fait, on n'a pas besoin de faire tourner une Cloud Function. En fait, c'est vraiment juste une fonction qu'on va appeler la partie HTTP, on s'en moque en fait. Donc on peut très bien rester là-dessus. Et donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a donc l'émulateur qui tourne pour du Firestore. Et on a des tests aussi. Donc là qu'on a simplement copié le Getting Started. Donc si je Ouais. fais la magie, Je peux peut-être récupérer le Getting Started tac. d'ailleurs pour montrer à tout le monde ce que ça donne. Alors on a repris Tac. exactement ce que eux ont fait, Ouais. c'est-à-dire qu'ils utilisent Mocha pour faire leur test. Donc là si on fait yarn test Firebase, tac, voilà. Donc là, tout fonctionne. Il nous met un petit rapport à la fin. Donc l'idée, c'est de bah, regarder ce qui a été fait, l'adapter, sachant que nous, on ne va pas utiliser Mocha parce qu'avec Create React App, on a déjà un runner qui vient, c'est Jest. Donc on va, voilà, on va adapter pour utiliser Après, je plus ne sais ça. pas si ce soir, dès ce soir, on passe à geste ou si on essaye d'avancer un petit peu et ensuite de refactorer. Bon, bah C'est alors. comme tu le sens. Bon, C'est comme moi tu le je m'en sens. moque. C'est juste que Mocha, moi, je l'utilise Bon, jamais. Donc, on peut essayer de lancer avec geste enfin, si en tu fait, veux, ça le peut. truc, c'est que Mocha, il n'a pas d'assertion. Et j'ai pas envie Oui. d'ajouter chai juste pour avoir des assertions alors qu'on a un jest à côté. Là, ça pose pas le problème. Alors, après, peut-être que ça peut nous poser de problème. Mais en tout cas, pour les rules, ça pose pas de problème parce que Firebase Testing, oui, donc on utilise Firebase Testing pour tester la partie Firestore et ils nous fournissent du coup des assertions. Donc bon, on est bien de ce côté-là.
Du coup, pour ceux qui sont curieux de ce que vient d'expliquer Charlie sur l'émulateur, vous pouvez aller sur le repo Firebase slash quickstart-node. Et dedans, vous avez un dossier Firestore émulateur où il y a un quick start JavaScript. Et c'est ce sur quoi on se base là pour commencer. Le code que Charlie vous a montré là avec les tests. Du coup, là, j'affiche le fichier de test d'exemple qu'on a repris. Donc, ils utilisent Firebase Testing. Ils importent aussi des fonctions du file system pour pouvoir charger les rules. Et donc, voilà, pouvoir les charger dans un premier temps et les tester ensuite. Ils font un clear entre chaque test. Et voilà, et donc après un describe et plusieurs hits, et là on voit il y a un Firebase assert fails, on a aussi des assert succeeds, et donc voilà, on teste que quand on appelle les fonctions de Firebase, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas? Sachant que nous, on a notre petit fichier aussi, qu'on vous a pas montré. A priori, ils veulent que tu redéplaces ta web, enfin que tu orientes ton ordi parce qu'ils voient beaucoup ton crâne. Bah ouais, mais là, je sais pas, est-ce qu'on voit là? Ouais, là, Ouais, on c'est voit mieux là. a priori. Ok. Après cet interlude, continuons. Du coup, qu'est-ce que tu disais? Je fais le pont. Alors. Firebase.rules. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut supprimer le panneau de droite là sur cet écran? En fait, je veux pas le supprimer parce que justement, je veux faire tourner les tests là-dedans. Ah, ok, d'accord. Malin, hein? Alors gardons-le. Gardons-le. Ok. D'ailleurs, avec Mocha, comment ça fonctionne pour le mode Watch? Est-ce qu'il y en a Oh, un? je crois que c'est. Ouais, il y en a un, c'est tiré tiré watch. Mais tu sais, Mocha, mis à part le fait qu'il n'y a pas d'assertion. Ah non, non, mais je demande, je l'utilise pas, c'est pour ça. Normalement, c'est Alors, tiré est-ce tiré que si je watch. fais ça... Ah, Ah bah oui, commande non mais c'est note-moi. normal. Ah non, on l'a pas encore créé, c'est ça? Non, non, c'est, j'étais pas dans le Ah bon non, d'accord. répertoire. Ok, donc là on est en watch. Donc ça c'est cool. Donc, si tu changes un truc, là, par exemple, Donc... le birthday, tu le passes à 2, ça se recharge bien? Si... La birthday January 1. Tu veux que je le change où ici, genre là? Et on va voir que ça fail. Ouais, par exemple. Eh ben, ça ne fail pas. Ah non, parce qu'on l'a mis Oui. dans le succeed. Ouais, non, C'est mais ça au-dessus change qu'il rien. fallait Non, faire. mais Mais ça ça change watch. rien Ça en watch. fait. C'est pas ça qu'ils testent en fait. Qu'est-ce qu'ils disent? Meilleur feature GitHub de vidéo. Je sais pas. A priori, ça doit être des bêtises. Qu'est-ce que c'est? Ah. Ok, Ah, pas bon. mal. Cool. Donc, Je suis pressé de tester ça. c'est quoi? C'est du commentaire multiline sur GitHub, a priori, qui vient de sortir. Ah. Ok. Bah, c'est cool. Sachant qu'on avait déjà un fichier de rules. Ouais. Donc, Que t'as mis en bac, là. ouais. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est on va quand même le reprendre. On va pas quand même les réécrire. Donc, on triche un peu sur le TDD, mais bon. Est-ce que ça a marché? Tac. Donc voilà. Je me suis Inspiré de inspiré Conference de Hall. Conference Hall, ouais. J'ai découvert qu'on pouvait créer des fonctions. Et du coup, bah voilà. Ça, là, faudrait mettre un petit copyright sur ça grésille. Mais c'est mon souper peut-être qui grésille. Et pas moi. Ouais, il y a des petits grésillements par moment. Ok. Bon, j'achèterai un vrai micro. Parce que là, Ah, je c'est mes retrouve oreilles plus qui les captent le trucs. son. Donc en gros, si on prend le truc, on a déclaré une fonction hitsme qui en fait va vérifier si le user ID de la ressource qu'on veut modifier est le même que celui qui fait la requête. Et on a ensuite une autre fonction qui va vérifier en gros si il y a déjà un document avec le user ID dans la collection users.
Donc, on fait un match sur la collection users pour le user ID qu'on a en paramètres. Si c'est la même personne qui fait la requête et qui veut lire l'enregistrement, on autorise la lecture. Par défaut, il n'y a rien en fait. Hein. Si on ne met pas de règle, on accède juste à rien. Ouais. Si c'est la même personne et que. Et c'est quoi que j'ai mis là? Ah oui, que l'heure de la requête est bien Voilà, l'heure de la ouais. modification, alors du coup, on autorise quoi. Et en Et fait, on n'a pas un risque là-dessus d'avoir un décalage? non, parce que justement, c'est l'heure du serveur. C'est le serveur D'accord. timestamp en fait qui est pris. Et en fait, tout ça là, cette petite vérification qu'on a en plus qui n'est pas dans ConferenceSol, en fait, je l'ai pris justement dans le repo là qu'ils ont montré. J'ai trouvé que c'était Ok. intéressant d'avoir ce petit check en plus. Voilà. Peut permettre peut-être d'éviter de forger des requêtes ou je sais Sur la pas. création. Ok, d'accord. Ouais, ce sera intéressant de voir. Tu penses que du coup, si t'as pas ça, le risque c'est quelqu'un connaisse le UID et vienne l'usurper, alors que si là tu vérifies Non, c'est le vraiment port l'heure en fait. serveur. On vérifie que l'heure qu'on met dans la donnée est la même que celle de la requête. Enfin, écoute, ça, je l'ai repris hein, pour être honnête. Donc, Ok. je l'ai laissé. Voilà, si vraiment ça sert à rien, on l'enlèvera. Peut-être que Zoomilo a des pistes là-dessus vu que lui, il l'a pas utilisé. Et après, peut-être que il a pas vu ce Il n'a pas truc-là. utilisé le request time. Non, non. Ça vient vraiment du Ah Getting ouais, non, il n'y a Started. pas. Donc voilà. Donc On peut se renseigner dessus pour la prochaine fois. voilà. Donc Ouais, j'ai grignon, ouais, ça grésille un petit peu. Bon, désolé, on verra. On verra une prochaine alors fois. ça grésille, mais est-ce que vous êtes voilà, vous écoutez le stream de qui aussi? Non, mais moi, ça grésille dans mes oreilles, en fait. Ah. Mais est-ce que Moi, ça je vient? t'entends Mais justement, grésiller. ils entendent ton son en fait. Et moi, y a rien qui grésille chez moi, et je sais que pour le son, on n'a pas utilisé la même solution. Donc peut-être qu'il y a une Ah, tu solution. penses que ça viendrait de ma manière de récupérer le son, Je là? sais pas. Mais ça grésillait pas tout à l'heure, tu sais, quand on parlait avant. Bon, ok. Bon, je sais pas. Bref. On verra bien. Ça se trouve, ça va passer. Ah, Même en si. vrai, ça grésille quand je parle. J'ai Grignon, il disait qu'il était Ah, sur le mien, et ça fait ton pareil? Twitch. Ouais. Ouais. Ouais, bah Et rien, bah c'est ça. une excuse pour acheter un Yeti 2, hein, que je te dis. Un Yeti 2, qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est le micro qu'on voit partout là, Yeti. Ah. Du coup, bah Ah, voilà. ça investit direct. Meilleur micro qui dit le Ok. gars. Bah tu vois, mais tout le monde l'a quoi. Et bah Ah, vu que tu tout le l'as monde aussi, l'a, ok. bah je vais pas le prendre. Ok, Ça c'est comme bon, mes du coup, chaussures. si on rentre dans le vif du sujet, maintenant on a parcouru un petit peu les règles. Là, l'idée, c'est de faire des tests qui viennent vérifier ces règles-là, quoi. Donc, du coup, bah, on va se servir un petit peu de ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai bien envie de garder le premier test. Require before creating a profile. Ouais, ok. Ouais, je pense que celui-ci, on peut le laisser tel quel. Voilà. Donc de se dire on n'est pas connecté. Ça fait quoi là le outil de. Peut-être qu'on peut En faire fait, les règles. le truc, c'est que pour, y a pas moyen de tester l'autant avec Firebase. En fait, ce qu'il Ok. propose, c'est de. Là, je suis sur la ligne. Quand tu initialises, en fait, tu passes à un objet auth avec les Ok. valeurs en fait de la personne qui est authente. Donc, si c'est nul, ça veut dire que t'es pas authente. Ok, et tu viens lui donner un UID. Voilà. Donc Ok. là, en gros, il dit bah, je mets nul. Donc du coup, ça veut dire que je suis pas authente et j'essaie d'écrire dans une collection. Donc là, il Ok, essaie très bien. de créer un document Alice dans la collection users. Et ça, c'est un Ok. truc qui doit fail. Donc du coup, Donc, bon, après Alice. est-ce que ça marche là, avec point lui? Ça marche. Donc lui, il passe. Cool. Donc ça, jusqu'ici, tout va bien. Après, je le rapprocherai plus de notre cas de figure à nous. Tu vois, par exemple, dans Doc, nous, c'est pas Alice, mais c'est un ID. Ouais, ok. C'est juste parce que C'est c'est juste. généralement c'est Alice et Bob en fait, mais ok.
Du coup, Ah bon, ça vient d'où ça, le Alice et Bob? c'est les trucs de sécurité avec un père qui s'appelle Alice et l'autre père qui s'appelle Bob, et tu fous un man in the middle. Enfin, c'est. Voilà. Bon, on peut rester si franchement si c'est un standard Bon, d'utiliser ça, autant c'est un rester truc là-dessus. connu, Alice et Bob. Ok, ça parle à quelqu'un d'autre Alice et Bob, moi je connaissais pas. Hein. C'est pareil, le birthday, bon après c'est vrai Ouais, mais qu'on c'est en fait, on juge pas teste forcément vraiment 2 semaines que à. les règles. Donc, Alice et Glisse, ok, merci. Donc, it should enforce the credit update in user profiles. Ok, bah ça on l'a comme test. Enfin, Ok, donc on a ce champ-là. on laisse. Donc normalement, si. On laisse. Ça, on n'a pas besoin de le bouger. Tu donnes let users create their own profile. Donc ça aussi, on l'a. On va presque pas avoir à coder en fait. Bah ouais, mais c'est normal, c'est des règles de base. C'est des classiques, ouais. Tout à Donc fait. là, on dit que Alice, bah, elle arrive à se créer, quoi, vu qu'on est logué en tant qu'Alice. Par contre, elle peut pas créer un document Bob. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. Donc, ce qu'on peut faire, Et c'est donc, du refaire tourner tous coup, les ouais, c'est parce tests. que l'UID Voilà. s'est fait. Donc là, tu Ok. vois, hop, il y a des tests qui ont pété, il y en a un peu trop d'ailleurs. Ouais, To mets let les autres en skip, anyone read histoire qu'on any remonte. profile. Alors ça, nous, par exemple, ça, c'est pas vrai. Ouais. Ce que j'ai fait dans les règles, c'est que j'ai dit qu'il n'y a que... T'as interdit, ouais, le read, il n'y a que toi, en fait. Voilà. Donc là, ce que je propose, c'est... Alice On et va... on essaye de lire le profil Bah de attends, on Bob. va mettre Bob, du coup. Comme ça, hop. Oui, ok. Et oh. Bah alors. Non, mais c'est sur. J'ai un input lag sur Ah TeamMate. oui, il faut. Il y a une config à faire pour ne plus l'avoir. Le truc, c'est qu'il y a trop de tests, ça fait beaucoup de bruit. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est Enlève les autres qui sont plus bas. on va le mettre en only. Ok. Value fail. Property resource is undefined on object get. Ah, mais oui, c'est normal. Ça doit fail. Ah oui. Oui, mais alors attends, parce que l'erreur, elle est quand même hyper bizarre. Parce qu'en fait, Parce que faut ça le devrait être faire, faut permission le faire à denied. l'intérieur, en fait. Tu vois, si tu regardes les trucs là au-dessus, t'as insert fails. Bon, attends. Déjà, ça fait quoi si on fait ça? Non, tu vois, ça passe. Ouais, mais en fait, ça dit que ça fail parce qu'il y a une erreur qui a eu lieu, mais c'est pas exactement l'erreur que nous on voulait. Parce que pour moi, l'erreur qu'on aurait dû avoir, c'est une erreur de type Permission permission denied. denied. Bah... Essaye d'enlever déjà. Tu peux commenter tous les tests de room là qui nous intéressent pas plus bas. Ok. Voilà, ceux-là, on les commente, comme ça va éviter le bruit. Et puis bah déjà on peut essayer de relancer tous les tests là qu'on a jusqu'à maintenant. Yeah. Ok. Permission denied. Vous n'hésitez pas hein, s'il y a des questions. Donc my app should only let users create their own profile. Ok. Donc du coup, il faut que. Alors nous ce qu'on a mis comme règle, c'est qu'il faut que ce soit moi. UID is undefined on Salut object. SpaceYouCat. C'est que du coup, l'utilisateur ne doit pas exister sur le create et que ça doit être la personne et que Modified la app. created add doit correspondre à la request time. Attends, il nous dit quelque chose, modified app. Qu'est-ce qu'il y a, modified app? Ah oui, on a des... Bah oui, update. Mais je suis pas sûr que ça rentre en compte là. Bah, il peut pas vérifier en fait si tu lui donnes pas. Très juste. Là, tu es sur le created add. Ouais, mais il faut que c'est Non, mais pas faut là le le mettre test qui partout en pète, c'est fait. celui où tu modifies en fait. Ouais, mais faut le mettre partout. Bah, pas à la requête de création, non? Je suis pas sûr.
Parce que j'ai pas de requête d'update. T'es sûr? À proprement dit. Ok, oui, d'accord. Mais bah alors, c'est bizarre parce que tu vois, le modified at, il est que sur le update. Donc, c'est-à-dire que si tu fais un. Ouais, mais est-ce que update il rentre pas dans plusieurs trucs en fait? Je sais pas, je demande. Moi, je pense pas que ce soit ça, hein. Modified at là. Bon, si on revient en arrière, on avait des tests qui passaient au Ok. début, donc. Retestez un par un. Ouais. Commence par le premier, hein. Ouais, mais Comme ça, on les voit dans l'ordre. je vais tous les skipper en fait, du coup. Ok. Ah, mais. Ah, d'accord. Ok, le e-commercial, c'est pour récupérer le Ouais. résultat précédent, enfin ce que tu as Mmh. matché en premier. Ouais, mais je suis allé trop loin. Ah oui, il faut mettre la parenthèse. Ouais. Ok. Donc, si on met que Ok. le, si on a que le premier. Donc le premier passe. Le deuxième. Bon, déjà, on va enlever les règles, hein, je pense que voilà. Donc le premier Yes. passe. J'y arrive pas ce soir. Le C'est deuxième, pas grave. permission Ne passe denied. pas. UID is not defined. Bah oui. Ah, mais c'est pas UID, c'est user ID chez nous. Non, ça n'a Non. rien à voir. Quoique. Il te dit que le UID is not is undefined on object for create. Bon, bah alors là, faut voir les rules, hein. Donc si on regarde les Ouais. rules, on fait un it's me. Donc il regarde request resource data UID est égal à machin. Et donc là on fait quoi nous? C'est là sur la création. On regarde que request resource T'as une data. idée, Zoomilo, là? Parce que tu nous dis, ouais, donc l'erreur dit UID is undefined. Et du coup, est-ce que tu sais comment on peut débugger les rules comme ça? Parce que là, du coup, c'est difficile de savoir si c'est sur request.out.uid ou si c'est sur le ressource, en fait. Bah, il dit is undefined an object, donc je pense que c'est sur la ressource. Bah, out aussi, c'est. J'avais dit Non? 2z dans ton doc. Bah, ouais. Mais quand tu Ah fais oui, il a doc. raison, il a raison. Regarde, dans Oui, c'est profil.set, vrai. on met pas le UID exactement. Ouais. Ok, bien joué. C'est évident. Donc du coup, bon, on dit que c'est Alice. Hein. Bon, après, sur le premier, c'était pas dérangeant, mais c'est pour de la Ouais, mais cohérence, c'est voilà, c'est sûr que c'est ça. mieux de le mettre. Ok, bah ça va mieux. Bah Ah. non. Attends, c'est un fail, ça. Attends, il y en a un qui fail. Oui, alors voilà. Lui il fail et lui il fail pas parce qu'il a created at. Donc du coup c'est ici qu'il faut ajouter. Voilà. Après, je pense que tu peux mettre l'UID au-dessus quand même, quoi. Bah merci Zoomilo en tout cas. Merci. Mais du coup. C'est ça de récupérer du code tout fait Ouais, mais et d'aller un peu vite. on apprend. On apprend, tout à fait. Ok. Donc du coup là ce que je vois c'est que bah il y aura pas mal de refacto quand même à faire sur les tests, il y aura beaucoup de répétitions. Donc bah on peut passer au Yes. second. Du coup bah, on va faire la même chose. Bah ouais, carrément. Voilà. Et il faut pas le rajouter dans l'autre assert en dessous, là, je vois pas ce qu'il fait. Je fais au fur et à mesure. C'est un fail mais oui. Ouais. Ouais, mais rajoute UID Bob quand même au cas où. Ok. Donc ça m'a l'air bien.
Du coup, tu vois, ça me fait penser. Ah oui, non, c'est normal. J'avais fait exprès. Ok. Par contre, donc là, on teste. Ah oui, on n'a pas terminé. Alors attends, vas-y, finis. Any word written Là, any c'est form, censé. it should not. Donc on dit qu'on est Bob, qu'on veut aller chercher Alice, mais du coup, on n'a pas le Ouais. droit. Bim! Ouais. Alors après, est-ce que du coup maintenant ça met vraiment un permission denied à cet endroit-là? Je sais pas, Si tu mets je par croyais que exemple tu l'avais un assert oublié. success. Non, bah non. Le petit malin. Là, je pense qu'en fait, avant, ça déconnait parce que les tests précédents passaient pas, mais non. Ouais. Waouh. Property. Re... Ressources undefined on Ouais, object. mais je pense que c'est parce que c'est il n'arrive pas à récupérer le doc directement en fait. Je pense que c'est directement ça qui fonctionne pas. Ah, du coup, tu veux dire que request. Ouais, mais alors attends, parce que ressources, request.ressources. Doc is not defined. Ouais, je vois. Parce que sur le read, on fait quoi sur le read? Sur le read, on vérifie juste que. Ah oui, it's me. Et on vérifie que le request ressource.dataID est égal au request.authID. Le truc, c'est que le doc, là, il retourne undefined, en fait. Il se reprend. Si on compare un petit peu là le hit me, ouais, bah c'est le même, hein. Et du coup, là, par exemple, si tu remplaces Alice par Bob, est-ce que ça fonctionne là, par exemple? Parce qu'on n'a pas fait ce test-là. Non. Après, je note Ah, mais tu sais let pourquoi? C'est parce qu'on n'a jamais tenté de créer Bob. Bah, vas-y, remplace le UID alors par Alice, du coup. Ouais, mais du coup, tu remettes Alice à la place de Bob dans le doc. Ça marche pas du tout. Ouais. Parce que du coup, ça, c'est aussi un autre test qu'on voulait faire, quoi. C'est le fait de pouvoir read Alice. Donc si on regarde Alors. before each, on fait un clear du projet et au tout début, on charge nos rules. Ah, mais attends, ça clear la data entre chaque test là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu crées T'as d'abord raison. ta donnée. T'as raison. Ok. Tu as raison. Alors, on y retourne. Bah, crée les deux profils par exemple Donc, avant, histoire de vérifier. on se log en tant que qui? Vas-y, Alice, c'est bien, ou enfin peu importe, comme tu veux. Parce que le truc là, c'est que... Bon, allez, on fait un truc. Users, doc, Alice et on set. Tiens, ça me fait penser qu'on a oublié de faire un truc. On a oublié de faire la commande qui permettait de mettre un résumé. Un résumé du projet pour ceux qui arrivent en cours de route. Ouais. Faudra qu'on se le note pour la prochaine fois. Bon, on Mais. dit, on va avoir un tas de fonctions à écrire, c'est juste affreux. Ok, donc là on dit qu'on crée un document Ah, mais Alice. oui, par contre, tu sais dire, tu peux quand même pas créer. Il faut que tu te relogues Ben oui, pour. c'est hyper. Bon, allez, vas-y, vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Mais c'est pas grave. Ouais, mais enfin. Est-ce que ça va Bah marcher? tu sais quoi, je propose qu'on se log avec Alice, qu'on crée avec Alice, on se log avec Bob, on crée avec Bob, et Bob essaie d'aller Ouais. chez Alice. Et normalement, il n'a pas Yes. le droit, il n'a pas été invité. Vas-y. Bah, Ah tu peux mince, c'est un expliquer ce que tu as const. dessus. Bon, écoute, on va faire un... Oh, ce jeu de mots, on va faire un DB2. Ça commence mal. Ouais. Bon, je pense que tu pouvais. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tout Tu copier. peux copier-coller le bloc, hein. Ouh. DB2. Yes. E-E. Netbe. DB2. Donc Bob.
Ouais. Ah oui, il y a un truc sur le escape, c'est vrai. Tac. Alors, Ouais. donc là, on devrait les avoir créés. Ici, je Et du coup, dis si tu demandes à que, l'AS, ça du coup, là, c'est devrait pas DB2 succéder ici. qui va aller chercher Alice. Voilà. Ouais. Mais je sais pas si, Et ça je devrait sais pas pas trop ce que succéder, ça ça va devrait faire. fail. DB. Ah Voilà, ça bah ouais, mais fail. c'est, non mais c'est moi qui Arc. suis bête. Je sais pas Ah oui, t'as écrire. oublié un L là. Bon, en même temps, je l'ai pas vu non plus. Hein. Ça m'énerve ce escape, c'est incroyable. Tu peux prendre 2 secondes pour regarder la config si tu veux. Ouais. Ah, on a toujours exactement la même erreur. Mais en fait, tout ça, c'est parce que ça nous retourne undefined, mais on n'a pas une erreur de permission. C'est incroyable, hein. Si tu essayes de récupérer le document Bob, là, ça marche. Parce qu'on vient de le créer avec DB2. Ah oui, c'est vrai, tout à l'heure, on n'arrivait pas à récupérer les documents non plus. Ben non. On n'arrive pas du tout à récupérer nos documents. Hmm. Est-ce que dans les tests précédents, il y a un truc qui récupère ou on fait que de créer en fait? Ben, on va voir. Je regarde, Non mais non mais tu. je regarde les autres pour voir. Ah, tu vois, là, il a Alice et Bob. Ah, c'est intéressant, ça. Tiens, to not let one user steal a room for another user. Donc là, ah, ça, c'est intéressant, ça. Ils ont fait un... Mais c'est que du 7 encore une Ouais, fois. ils ont que du 7. Donc si on remonte, on a du 7, Et on nous a on du n'avait pas 7, on a de. du 7, on a du 7, du 7. Ouais. Ouais, ok. Bah, il n'y aurait pas un truc sur le get là par hasard? Je peux aller regarder. Ça vient de Firebase Testing, c'est Ouais. ça? Tac, ça. T'as jamais fait ça, Zoomilo? Si t'es toujours là, bien sûr. Esprit, es-tu là? Le SDK est là. Ah, ça nous met ici en fait, mais Zumilo. Tester ses doutes, eh ben bravo. Mais tu vois, on a peut-être raison de douter. Firebase Test erreur sécurité. property. Ben attends, je vais chercher aussi Firebase erreur property undefined get solved error in Firebase create user. Je sais pas si c'est en rapport avec ça, mais Non, mais non. c'est bien ça, on est censé pouvoir faire un get. Si on se met là dans un autre test à nous, là, par exemple là, sur le test où t'es, on a bien mis les await? Ben non, on n'a pas mis les await. Forcément, ça marchera pas. Il y en avait au-dessus en haut. Ouais, mais attends. Ben, il y avait Ah, des mais non, await il y a sur des les wait sur les assertions. assertions, c'est tout, hein. Il n'y a pas de wait Non, ailleurs. le reste c'est synchrone puisque de toute façon c'est du fake. Ça retourne une promesse. Mais c'est aussi des promesses, hein, les autres, là, quand tu fais un. Moi, je pense que c'est aussi des promesses, hein. Même si elles se résolvent instantanément, faut quand même mettre le await. Hein. Zoomilo, il dit remonte le Oui, je me test suis à mis moi. dessus. Moi, je collerais bien await devant. Maintenant, plus bas là.
Il se passe des. Oui, mais Ah, le mais il y a wait tout le fait tout le temps un temps sur assert. l'assertion, hein, jamais sur. Après, tu peux mettre un assert succeed aussi sur les trucs qui font le set, hein. Ouais, mais ça va rien changer en fait. Bon, dans le doute, Moi, je. Dans le doute, puisque je t'es mettrais bien censé douter, wait. du coup, on va douter. Mais après, je pense que déjà de base, le set, ça balançait. Une promesse, c'est qu'on aurait pu wait comme ça. Hein. Non, non. Non? Non. Et t'as vu, ça, c'est du code qui existait déjà. Hein. Je l'ai pas inventé, hein, ces deux lignes-là. Ouais, mais Ouais, il n'y a la pas de requête, elle 7. se fait que au moment où tu fais le get. Hein. Vas-y, sauvegarde. Ça ne change rien. Ok, très bien. Comme prévu. Non, mais qui ne tente rien n'a rien. Par contre, du coup, ça pète toujours au même endroit. Ouais. Ok. Attends. Property ressource is undefined on object. Et ces trucs-là, ressources là. Oui, c'est dans les règles de sécurité. Mais oui, mais attends, mais c'est moi qui ai fait une erreur là. Comment ça? Bah, quand on fait le profile.get, tu vois, ça fait le read et le read il fait if it's me. En fait, si tu regardes donc le update et le create, il y a tout le temps le if it's me. Et en fait, Ouais. là-dedans, c'est tout le temps de la création, en fait, ou enfin, c'est tout le temps Ah, de mais là, on en l'écriture, donc on parvient. a un payload. Et là, je suis pas sûr que ce soit dans request.ressources qu'on devrait aller chercher. Qu'est-ce qu'il en pense, Zumilo? Attends, je vais regarder dans ses règles le it's me, est-ce qu'il est utilisé sur du get, il fait du authenticated. Je suis pas sûr qu'on ait un Authenticating. request.ressources Bah ouais. quand on fait le read en fait. Non, bah non, je suis bête, je dis n'importe quoi. Attends. Si, c'est request, si, c'est bien ça. Oui, dans ce cas-là, ça devrait C'est être la ça. ressource que tu as demandé, c'est ça? Oui. Et pas request, en fait. C'est la ressource que tu as demandé. Bah non, je sais pas, du coup. C'est pas request, c'est ressource.data.uid. Tout le temps? Bah, pour celle que tu. Non, pas tout le temps. Pour vérifier dans la ressource que tu as demandé, tu fais ressource.data.la valeur que tu veux Donc vérifier. comme ça, quoi. Ouais. Sauf que ce it's me là. Il marchera pas pour ton update et pour ton create en Et fait. lui, il a plusieurs it's me. Bah en fait, ouais, il a des it's my event, it's my talk. Ok, donc du coup, ce qu'on va faire, on va faire un. Tu peux l'appeler it's my profile par Ouais. exemple. Ou là, du coup, au lieu de vérifier la request, tu vérifies la ressource. Et là, si tu mets ça sur le read, je pense que là, on est pas mal. Bien joué. Yes. Bon, On eh a ben été on un découpe peu. Firebase en même temps. Hein. Donc voilà. On a été un peu lent. Hein. Donc Bon, je c'était bien pense que tu peux ça. enlever tes succès là. Ouais, ok. Mais du coup, je Faudra me remettre tout demande ça au propre si. parce que là c'est juste affreux. Ouais, mais je pense que là, maintenant, tu peux enlever toutes les choses. Non? Ah non, parce que là, ça n'existe pas en Ouais, fait vaut dans la mieux. base de données, donc on est obligé de les créer quand même. Ouais. Merci Zumilo. Ok. C'est ça de ne pas lire les docs en fait avant de commencer. Bah,
C'est ouais, c'est non, c'est quand j'ai écrit les règles, j'ai fait une boulette, Ah quoi. non, mais te justifie pas, hein, j'ai pas regardé plus que toi en fait. Ok. Elle t'écrit. Donc là, t'écris l'autre test, quoi. Non, c'est le même en fait, mais tu vois, il a merdé. Ah oui, attends, oublie un async là. Tu vois, null value error for get. J'ai encore un autre truc. Non, fallait vraiment laisser les await en Et fait. si tu mets juste un await devant, sans le succeed là. Parce que pour moi, le set, c'est une opération asynchrone, en fait. Ouais, on pourrait laisser les assertions si vraiment c'est le cas. Qu'est-ce que... Oh là là, c'est pas vrai. Si tu veux, je peux Ah écrire. oui. Tu vois, c'est ça. Bon, ok. Et du coup, là, il faut qu'on fasse le test inverse, qui est de dire, bah, j'ai le droit de consulter un document si c'est moi qui l'écris. Bah non, on peut le faire Ah dire, oui, on bah peut le c'est faire celui que direct tu... Ah ici non, en c'est pas fait. celui-là. Ah oui. Ah ouais, mais attends, faire un seul test pour deux trucs, c'est un Je peu... sais, je sais. Mais il y en a d'autres qui sont comme ça. Donc, dans tous les cas, Ok. voilà. C'est juste histoire de. On l'écrit et puis bah, on le refera. User profile, ok. Oh la vache. Faudra que tu règles ton. C'est en plus c'est une c'est juste une petite config. Donc lui, il Ok. doit fail. Enfin, là Cool. ça fonctionne, mais en gros, oui, c'est bien un fail qu'on doit avoir sur ça. Ok. Ça, le système de Bah. room, on s'en fout, puisque nous, ce qu'on veut, c'est uniquement création, écriture, etc. Bah là c'est bon là. On a testé tous nos cas sur les utilisateurs. Il y a juste un cas qu'on n'a pas testé, c'est le update, en fait. Ah ouais, ok, bon bah vas-y, on teste le update et puis on sera pas mal. On s'en fout, tac 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 On tac a tac. perdu plein de monde, les tests, ça passionne pas, hein. Ouais bah. Ah non, ça a remonté, on était 6 et. Enfin 6 sur ton stream, parce que là j'ai ton stream devant les yeux et ça remontait à 8. Donc, c'est bon, ça augmente. Tac, Ok. bah vas-y, tiens, fais-le. Moi j'ai beurre du thé. Tu vas boire du thé. Il y a des chances, non? Donc là, on a dit qu'on voulait tester que si je fais un update, il n'y a que moi qui ai le droit de le faire. Donc du coup, je vais repartir d'une création. Et du coup, le update, c'est avec. C'est quoi? Bah, c'est update le mot-clé, non? Oui. Donc, on va dire que. On a le droit de mettre à jour que. Ah ouais, j'ai le même. D'accord. En fait, c'est toi qui dois mettre la config dans ton teammate, je pense. Non, mon Temux. Dans ton tmux, ouais. Pour pas avoir ce. C'est pas grave, hein, je vais spammer mon échappe. Ok, du coup, ce qu'on va dire, c'est que ici on veut update. Ouais. Et on va juste dire que. Alors là, il faut mettre à jour le modified Tout at. à fait. Ça, c'est un très bon test parce que du coup, on s'assure qu'on a cette donnée-là. Ah, c'est relou, hein. Ouais. Attends, Tu veux. je vais chercher. Ouais. Cherche la petite config là qui va bien pour virer ce truc-là. Et du coup, si on essaye de faire la même chose Escape sur diagramme. Bob, normalement, on n'a pas le droit. Et ça ne passe pas. Permission denied. Attends, je prends Ok. juste la main 2 secondes. Property EID is undefined parce que du coup, là,
Dans le update, c'est pas it's me. Voilà. Là, normalement, le escape, il doit être... C'est bon? Je sais pas. Attends. Si je fais ça... Yes, il est instantané. Voilà. Et là, je pense que on a toujours permission denied. Alors, t'as fait quoi? Bah, request resource, ça, c'est normal. Ouais, ouais. Et request j'ai dit time. It's my profile. Et il y a le request resource data. Et du coup, j'ai pas le droit de faire. Attends. Ok. Null value. Ah oui, mais alors attends. Ça n'existe pas. Donc en fait, il faut que je les crée d'abord. Ben oui. C'est ça le truc. C'est, on va devoir écrire plein de fonctions pour ces tests-là, parce que là, il y a tellement de codes qui se répètent. Ça me rend fou. Donc là, je suis ici. Je dois d'abord créer... Ok, donc je dois d'abord créer Alice. Et donc, ah oui, mais là ça fail pas pour les bonnes raisons en fait. Faut que je crée aussi, faut que je fasse un, faut que je fasse Bob là ici. Bob l'éponge. Ok. Ouais, mais là, je suis bête un peu. Ok. Ouais, on leur donnera des vrais noms plus tard. Parce que là... Ok, et là, en effet, j'ai pas le droit de, depuis Alice, de... Mais c'est pour ça que c'était pas si mal, eux, ce qu'ils avaient fait de les nommer Bob et Alice. Ouais, ouais, je sais. Mais en fait, je savais pas si ça allait marcher au début, donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça vite fait. Ok. Okay. De toute façon, toute cette partie-là, là, ce sera refait. On va pas le faire ce soir parce que sinon, on va passer trop de temps. Mais il y aura un refacto qui sera fait. En tout cas, ça fonctionne et on va pouvoir passer à la suite. Est-ce que vous avez des questions, trucs comme ça, sur ce qu'on vient de faire? Ou des remarques? Mis à part ce qu'on vient de dire du fait que c'est un peu répétitif ce qu'on a écrit. Mais au moins, ça fonctionne. Non, personne. Je sais pas. Laissez le temps. Ouais. Du coup... Oui, bah, je crois que... Bah là, on va passer à la vraie partie TDD, du coup. Ouais. Vas-y. Donc, vas-y, carrément, vas-y. Bah ouais, t'es dessus, t'es dans ta lancée. Ouais, juste, donc là, on a une collection users. L'idée, c'est quoi? Si on va avoir une collection de matchs, c'est ça? Parce qu'il faut qu'on décrive nos règles et notre fonctionnement. Pour le moment, non. Là, la fonction, c'est vraiment celle qui va tirer une personne au hasard, en fait. C'est pas, on n'est pas du tout sur le match, là, encore. Mais du coup, ça veut dire que notre read, là, il marche pas. Hein. Que quoi ne marche pas? Bah, le read, on a autorisé que si c'est mon profil. Sauf que là, notre cloud function, c'est pas la personne. Eh ben, très bonne remarque. Bravo. Bah du coup, voilà. Donc du coup, bah on va... Il a déjà fait des cloud functions. Non, non, mais du coup, mais c'est pas le problème de ça. C'est que là, notre règle, elle est trop restrictive. En gros, il faut juste qu'on soit authentifié. Ok. Ouais, mais du coup...
Ouais, on va faire une cloud function pour tirer au Parce hasard qu'en fait, il va y avoir toute une uniquement. logique et la logique, on ne veut pas la mettre dans le client. Parce qu'au début, ça va être simple, mais après, ça va, voilà, avec le fonction du nombre d'utilisateurs, ça va changer. On va faire plein de choses et ces choses-là, on ne veut pas les rendre. Enfin, voilà. Bah après, enfin, le code en soi, il est open source, donc tout le monde peut vérifier Oui, ok. ce qui est fait, mais c'est pas accessible depuis le Les client, droits ne quoi. sont pas appliqués dans une cloud function. Ah, ça veut Ça veut dire dire que dans qu'une la cloud cloud function, function, on on fait peut ce faire qu'on ce qu'on veut? veut avec les données. Bon, bah, du coup, on n'a pas besoin de changer nos règles, alors. C'est-à-dire que là, on peut se Non. contenter de garder ce qu'on a. C'est uniquement pour le client, les security rules. Ok. Et ben, on n'a pas besoin de security rule. Du coup, on peut passer directement à du test unitaire de Cloud Function. Est-ce qu'il considère que c'est un back-end vers un autre back-end? Ah oui, c'est vrai, c'est Firebase Admin, c'est pour ça. Mais oui. Ben alors, du coup, on peut faire directement du test de Cloud Et bah Function. c'est très bien. Alors, ça nous dit d'installer Firebase Function Test. Attends, de quoi tu parles? Bah, on écrit nos tests pour notre Cloud Function, là. Mais c'est quoi Firebase Function Test? C'est pour tester les Cloud Functions. Ouais, mais nous là, en fait, parce qu'une cloud function, en fait, c'est juste une fonction que tu wrapes avec un appel HTTP, donc on s'en moque, en fait. Là, on veut juste tester une fonction JavaScript, on n'a pas besoin d'avoir un truc. Ok. C'est juste, ça va être plus simple, en fait, juste pour tester la logique. C'est quoi l'intérêt alors de ce que eux ils proposent là avec leur Alors, je sais pas, mais leur test unitaire avec leur cloud function, je trouve, j'aime pas du tout. Je serais plutôt partant pour du test d'intégration de la cloud function. C'est-à-dire qu'on teste notre fonction à part et après on fait un test d'intégration où là on va passer par de l'HTTP, on va vérifier qu'on a bien le bon résultat. Mais nous à notre stade, Ok. vu que là on va rien déployer ni rien, on va juste la créer, je pense que ça suffit, c'est largement suffisant de faire un simple test de fonction en fait qui utilise Firebase Admin derrière. Ouais, mais est-ce qu'on a un truc pour moquer du Firebase Admin Ouais, ben exactement de la même manière que c'est qu'on a fait ça? ce que j'étais en train de me dire. Je ne sais pas. Est-ce que Firebase Testing, il permet de faire du Firebase Admin? Je regarde. Il y a un Firebase App Spec. Est-ce que c'est un import différent du coup, Firebase Admin? Ouais, c'est un autre module. Mais attends, est-ce que parce que nous, on importe depuis, normalement, depuis Firebase Testing, ça retourne Firebase. Alors là, j'en sais rien du tout. Parce que moi, j'étais parti pour faire du Firebase Testing, mais c'est vrai que j'ai oublié que on utilisait Firebase Admin en mode. Alors attends, parce que là je suis dans un test et il y a Firebase Admin qui est utilisé. Il vient de où? Firebase Admin. Parce que là, si je regarde dans Tiens, tu le vois. module testing, API, index. Alors j'ai trouvé un fichier. Où est-ce que je peux te partager ça? Je peux te partager ça là. Donc Merge. là, j'ai trouvé un fichier chez eux où il y a Flow du test en fait de app Firebase. test.
Tu l'as partagé où? Sur Hangouts. Non, mais je le vois pas. Partage plutôt dans la dans sur le call. Parce que moi j'ai que ça qui est ouvert. Et je vois pas ton Ah. message. Ok. 2 secondes. Sur le call. Une petite bulle en Là. bas à gauche. Yes, j'ai trouvé. Et donc dans cette Firebase admin, Ouais, mais attends, là, c'est les tests de Firebase Admin. mais du coup, tu penses qu'on peut pas utiliser ça là pour faire du... Bah, non. Ça se trouve dessus, il récupère des choses. Ouais, non. Bah, non. Ah là là. Bon bah, tu sais, si on ne trouve pas comment faire les tests là avec le temps qui nous reste, on peut peut-être passer bah, au développement. C'est pas grave si on le fait pas en TDD. Comme ça, on avance dessus, non? On peut. Est-ce que je me pose la question si... Parce que là, en fait, on a fait du Firebase classique. Du coup... Non, on l'utilise... Non, en Node, on n'utilise que Firebase Admin. Ou pas? Bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix, non, d'utiliser Firebase Admin. Je sais pas. Je me pose la question en NPM fait. install Firebase Admin. Add Firebase to a server, ok. Donc là, on récupère Admin. Est-ce que ça différencie beaucoup de... Parce qu'en fait, c'est la même fonction en fait dans Firebase. Là, on fait Firebase initialize test app. Se trouve dans Firebase testing, il y a quelque chose qui j'ai toujours du mal à m'y retrouver dans les packages de Firebase. Je trouve que c'est un petit peu le bazar. Du coup, de avoir testing ici, index. Ah, il y a un initialize admin app dans Firebase testing. Intéressant. T'as vu Donc ça du coup, où? j'en déduis que bah, dans leur code, j'ai été lire l'index. Tiens, je te l'envoie. Non, mais... Vu que je suis dessus. J'y étais... Tac. Bah du coup, ça veut dire qu'on peut faire exactement la même chose en fait. Dans Est-ce que dans Packages, le... dans Testing, c'est ça? Et Ouais. après, t'allais dans quoi? Je t'ai filé le lien. Testing et après j'ai juste regardé l'index en fait. Ok, t'as regardé l'index. Index.ts. Ok. C'est dommage en fait que dans leur test ils montrent pas du admin. Firestore émulateur. C'était dans database émulateur, non? Non, c'est pareil. Peut-être en faisant, t'as raison, et que peut-être que le initialize admin app fait le taf. Parce que le truc, en fait, c'est que ce qui change généralement, c'est que c'est simplement que plutôt que d'importer depuis Firebase, t'importes depuis Firebase admin. Mais après, le initialize app, il est le même, en fait, si tu regardes la doc. Mais D'accord. peut-être qu'en testing, du coup. Peut-être que ça change. Après, c'est la même chose, non? Alors si on regarde
Initialize admin app. Ils ont des tests, peut-être regarder leurs tests. Donc ils font un initialize admin app avec un project ID. Ils font un get token, ils vérifient qu'ils ont bien un token. Ah, c'est Bon ça. bah j'imagine C'est que. ça. En fait, je suis dans la doc là et ça dit que quand tu fais initialize admin app, ça va te faire une admin Firebase app et en gros, ça bypass les security rules. Donc du coup, quand tu D'accord. fais des read et des write, donc du coup, c'est exactement ce qu'il disait. Ok. Donc on peut faire ça. Par contre, ça va nécessiter de faire de l'insertion de contrôle parce que du coup, on va pas En fait, dans Firebase Admin, tu utilises Initialize App et pas Initialize Admin App. Ça veut dire que on va devoir faire une initialisation en dehors de notre code, en fait, de notre fonction. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas exactement. En gros, on va devoir initialiser une App Admin, sauf que la manière de l'initialiser dans Firebase Admin et Firebase Testing, bah, c'est deux fonctions différentes. En fait, dans Firebase Admin, ça reste Initialize App, sauf que dans Firebase Testing, ça devient Initialize Admin App. Tu vois? Bah comme là, ce qu'on a fait avec Initialize Test App, Ouais. c'est pareil, c'est la Oui. même Non, mais ce chose. que je veux dire, c'est que là, on a testé les rules et on a mis du code direct. Nous, on va avoir une fonction qui appelle des fonctions de Firebase. Mais quand on va instancier notre fonction dans Node et quand on va l'instancier dans les tests, ça ne va pas être la même fonction. Donc du coup, il faudra que notre fonction prenne en paramètre ou d'une manière ou d'une autre l'app en fait sur laquelle travailler. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas tout le temps la même, c'est ça? Ouais. Une injection de dépendance, si tu préfères. Ok, vas-y, co commence là, parce que tu vois. Est-ce qu'on se met pas un fichier à part peut-être là? Donc, qu'est-ce qu'on veut faire exactement? On veut initialiser une app. On veut venir remplir tout un jeu de données à l'intérieur de la base. Et ensuite, on veut faire un match en fait entre deux personnes en fonction de certains critères. C'est ça qu'on veut faire. Ouais. On le fait dans un autre fichier, un Ouais. autre test. Arrête de m'observer, pourquoi tu m'observes? Ouais. Est-ce que vous avez suivi du coup ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Où est-ce qu'il n'y a plus personne en fait? Ils sont tous Y a partis. six personnes. Ils ont laissé leur ordi allumé et ils se sont barrés. Ah ouais, quand même. Il n'y a plus personne qui répond. Ou sinon, c'est qu'on les a cassés là avec nos tests. Je pense que c'est ça. Hein. C'est dommage, on commence à rentrer dans la partie roulette là. Ah la vache, Ah. y a un lag incroyable. Ok, ça suit. Bon, on reste sur le permoca là. Pour l'instant, ouais, Ok. il nous reste Comment on 40 l'appelle? minutes On là. l'appelle. Roulette.spec.js. Bon, si tu veux. Voilà. Bah, pour commencer. Ok, alors attends. On va se mettre là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter Firebase-admin. Pourquoi? T'as pas besoin pour l'instant, si? Bah, comment je fais Ah mes si, uns, t'en as comment. besoin dans la fonction qu'on va coder. Ok. Autant pour moi. Ok, il reste deux personnes.
Ah non, il reste trois personnes. Fabuleux. Trois personnes ou ça? J'en vois que. Non, il y a trois personnes qui ont répondu à la question de est-ce que vous êtes toujours là? Ben, j'en Mais vois du coup. deux. Je vois Zumilo, j'ai Grignon et c'est Et tout. Morphiche. Et il date de l'autre Sur côté ton alors. chat. Oui. Moi, j'ai tous les chats. Moi, j'ai un tableau de bord. Ok, donc là on vient d'installer Firebase Admin. Du coup, c'est clair pour tout le monde ce qu'on va faire là par rapport au fonctionnement de comment on va procéder avec ce test là pour la génération des données et derrière bah, tester les règles de l'algo quoi. D'ailleurs, les règles de l'algo. Ok, c'est quoi les règles de l'algo? Bah, on les a notées, non? Dans un fichier Google Drive, je crois, non? C'est probable, c'est probable. Ah, mais... Vas-y, continue, toi. Je vais chercher notre fichier. Ok, alors... Après, j'ai sous les yeux hein, ce que tu fais. Donc là, d'abord, on écrit le test. Faut qu'on fasse Ce à que peu je près vais la même faire, chose c'est que quand ce qu'il y a même, dans l'autre ouais, fichier. du coup, je vais reprendre quand même la partie initialisation de l'autre. Ouais, après La là le partie truc c'est qu'il setup, là. faut pas qu'on faut que tu vires tout ce qui est clear de la database entre chaque test en fait. Bah, je suis pas tout à fait d'accord, parce que justement, si tu fais pas ça, On fait que de la lecture, hein. ouais, mais tu vas avoir des effets de bord entre tes tests, en fait. Oui, ok, Mais d'accord. Oui, ok. on fait que de la lecture, nous. Oui, ok. C'est vrai. Du coup, le Firebase testing, le FS, Ok. on va quand même le faire par principe, mais on s'en moque. Du coup, Project ID, on Morphiche, il laisse. t'écoute. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que Morphiche, il n'a pas tout à fait suivi. Du coup, l'idée, c'est que là, on s'attaque au cœur en fait de notre appli, qui est de se dire, bah, je mets deux personnes en fait en relation. D'accord? Donc l'idée, c'est que bah, on voudrait le TDD. On espère qu'on va avoir le temps là avant la fin des 40 minutes. Donc l'idée pour le TDD, c'est qu'il nous faut un jeu de test. Bah, soit on se basait sur notre base de données de prod, sauf qu'elle est vide. Donc mis à part si on vous demande à tous là de vous authentifier, et encore ce serait pas très probant parce qu'on aurait peut-être maximum une dizaine de personnes, l'idée c'est qu'on va utiliser Faker, donc Faker.js. Bah tiens, je vais Pour l'installer. Faker.js, tac. Pour générer. Ah ouais, mais alors attends. Parce qu'on est rigolo, mais comment est-ce qu'on va les faire s'authentifier? Ah non, on les met dans la base. J'ai rien dit. Donc il y a Faker.js qui permet de générer des données. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer des faux comptes à l'intérieur de nos tests. Et derrière, bon, on va faire tourner notre algo sur cet ensemble de faux comptes, où du coup, avec des règles qu'on a établies nous en avance, à savoir bah, par rapport aux préférences, par rapport à est-ce que la personne elle s'est inscrite depuis longtemps ou pas, faire ressortir un match en fait entre deux personnes. Et du coup, j'essaie de retrouver ces fameuses règles. Je suis quasi sûr qu'on les a écrits dans un fichier, mais alors où? C'est la grande question. Partagez avec moi. Ah. Un fichier mis à jour en août, ça me semble un petit peu loin quand même. Hein. Ouais. Je pense que tu avais refait un fichier toi de ton côté, mais que tu ne me l'as pas partagé en fait. Non. Si on l'avait fait côte à côte, Bah, c'est on n'était ah. pas à distance. Donc je pense que toi, tu as un fichier quelque part. Ok.
Bah, si tu veux, je peux générer des profils du coup pendant que tu Vas-y. cherches les règles. Ah, c'est ce que tu viens de me partager là? Normalement. Ah ouais, là, il y a déjà plus d'infos. Par contre, si tu montes les trucs, tu spoiles tout, quoi. Non, je ne l'ai pas montré, je l'ai mis à part. Je suis malin quand même. Je ne sais plus. On n'avait pas mis tant que ça de. Ben On n'avait pas non. mis tant que ça de règles. Ben non, pas sur celui-là. Alors non, en fait, Morphiche, le truc, c'est que tu peux utiliser, donc dans Faker, là, il y a. Merde, pas c'est. Voilà, seed. Et en fait, si tu fais faker.seed 1, 2, 3, en fait, à chaque fois que tu appelles la fonction seed, il reset. Les prochains appels à Faker en systématiquement fournissant les mêmes données. Donc il suffit que tu mettes un seed, hein, peu importe ce que tu mets à l'intérieur, hein, tu peux juste mettre un par exemple et ça te fournira systématiquement les mêmes données. En fait, le principe d'une graine dans un truc random, c'est que pour une même valeur de départ, en fait, tu auras tout le temps la même séquence qui suit. Donc, dans n'importe quel langage, n'importe quel API random, tu dois pouvoir donner une seed justement, et tu auras tout le temps la même séquence. Ça rend le truc déterministe. Et là, c'est ce qu'il va utiliser. Ok. Du coup, ce que je comprends pas trop, c'est pourquoi là il y a un map app.delete. Ah, c'est parce que C'est c'est parce si que on tu fait peux faire plusieurs tables. plusieurs apps, voilà. Donc Ok. typiquement, tu as Alice et Bob, quoi. Ok, donc moi là je peux mettre. Bah oui, mais moi là ça me sert à rien le outil app. Là, tu peux directement utiliser Firebase point ce que tu veux. Ouais, mais non, attends, là, il faut qu'on. Là, ici, il faut qu'on utilise Firebase admin, en fait. Oui. Admin app, là. Ouais. Oh. Comment ça marche? On n'a pas besoin du hôte, là, ici. On s'en moque, nous. Je ne sais pas. Je pense que si, quand même. Comment ça marchait là? Admin app, ça mettait juste un Oui, il y en a project pas. Oui, ID. t'as raison. Il y a juste un project ID. Et alors après, ça marche exactement pareil. C'est-à-dire que Oui. là j'aurai un Firestore. Oui. Du coup, je vais l'appeler juste app alors. Oh, je fais n'importe quoi. Donc là, je l'appelle juste app. Et ça veut dire que ici on n'est pas gêné par les règles de sécurité. Et donc là, je peux faire point collection user. Et là, par exemple, je pourrais créer justement mon doc Bob. Je voudrais juste vérifier que ça fonctionne. Oui. Set. Et sur mon doc Bob, je vais faire un set. On va quand même lui Je donner lui un donne. UID Bob. Et du coup, là, je suis censé créer un Bob vide, quoi. Et donc là, je peux faire un. C'était quoi déjà les. Ouais, mais c'est pas l'endroit pour faire les assertions. Ah oui. Ok, mais je voudrais faire juste une assertion quelque part. Mais là, t'es dans le même Comment je vais fichier. prendre? Ouais. Je voudrais juste C'est regarder les Firebase.assert. assertions que j'ai pas Faut retenues. Ok. que tu marques ta fonction async. Sauf si. Ah oui, non. Non, vas-y, vas-y, vas-y. T'allais faire un describe. Donc, describe. Roulette. Roulette. Très bien. Et je fais un peu un dump hit de se dire
Ben, il peut. Il... Morphiche, il veut pas te laisser tout seul, Charlie. Il est trop gentil. Oh. Ok. Donc là, normalement, je dois pouvoir faire un genre un awake de load profiles. Sauf que j'ai pas retourné ma truc là. Et derrière, je dois pouvoir faire un firebase.assert assert. C'est quoi? C'est succeed, Charlie, c'est ça? Ouais. Oui. Assert succeed, faut mettre un await devant. Mais t'as oublié un S. C'est succeeds. Je crois. Regarde. Parce Non mais que je crois que l'autre c'est fails. je pense que tu as raison. Assert succeeds. Et ce que je veux faire, c'est app. Je veux faire un point collection. Je veux vérifier dans ma base de users si j'arrive à récupérer Bob en fait. Collection users. Point Dogbob.get. dogbob.get. Yes. Ah. Faut relancer nos tests parce qu'il n'a pas pris en compte le. Ouais. Merde, je sais pas changer de. Je suis démasqué, je sais pas changer de panel. Je suis dedans, là, je suis dedans. Ouais, t'es dedans. Pas très fut-fut, hein, ce truc-là. Oh. Oh, Ah, d'accord. est-ce qu'on peut remonter un peu plus haut là? Bon, bah là, on a été soufflé. Yarn fait des misères aujourd'hui, hein. Je vois ce qu'il a, mais... Oh là! Il va prendre 1000 ans comme ça? Ah non, j'ai eu un peu peur. Hein. Je me suis dit, ça y est, on est encore reparti pour un truc qui build de l'infini. Alors pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi chez moi l'éditeur est jaune et pourquoi c'est pas le cas chez Charlie, eh ben parce qu'on n'a pas résolu un petit problème de config de notre Tmux qui fait que bah moi j'ai le droit à une couleur jaune bizarre. Voilà. Ok, donc ça génère bien Bob. Ok, donc là maintenant, Non, ah tu veux me remettre attends, de ne l'autre me touche côté? pas. Voilà. Casse pas tout. Ok, c'est cool ça déjà. Du coup, maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est s'appeler une fonction. On l'appelle comment notre fonction? Roulette. Moi, j'ai mes écouteurs qui sonnent, Qui sont en train de sonnent. rendre Je l'âme. pense que je vais devoir couper. Allez, on cherchait d'autres. Non, couper parce que j'en ai pas d'autres. Ah, t'en as pas d'autres. Non. Ils vont. Ok. Ah, dommage. On arrivait Ouais. pile au moment de la roulette. Gros. Sérieux, t'as même pas de filaire? Non. Gros Ah. cliffhanger. Ok. Bon bah du coup on va arrêter là, désolé. Ah là là. Et je prendrai un micro, comme ça j'aurai plus de vue là-haut. Mais ils ont une autonomie assez courte au Ben final, en tes fait, pods là. ils font aussi la prise de son et tout là. Donc du coup, Ah du coup ça tire vachement le jus dessus je quoi. pense. Ok. Ah c'est dommage, on arrivait pile au moment où. Mais vas-y, termine, fais. Bah de toute façon là on va rien faire de plus. Hein. Bah C'est parce que si, quand ils sonnent, ils vont couper dans combien de temps? introduire Faker. Je sais pas dans combien de temps ils vont couper. Ça fait déjà 2 fois qu'ils me le font en fait. C'est pour Ok. ça. Je pense que la troisième fois, Alors. ça va pas prévenir.
Bon, on se dit que on se dit qu'on va appeler cette fonction roulette. Ici, ce qu'on veut faire, c'est importer Faker. Normalement, on peut utiliser une locale pour dire qu'on le veut en français, par exemple, en faisant un set local fr. Yes. C'est ça. Donc, si j'importe const J'ai celui de droite qui a lâché, j'ai que le son à gauche. Ah, ça se trouve, il n'y en a qu'un seul qui avait plus de jus. Non, c'est ça a fait ça la dernière fois, il va bientôt lâcher celui de gauche. Ah bon, on va peut-être peut-être Non, arrêter là alors. Sinon, tu te mets sur tes. Ouais, mais ça va faire de l'écho si tu te mets sur tes enceintes en ben oui, fait. c'est ça. Comment tu faisais avant que t'aies tes pods? Ben, je faisais ça aussi. Mais t'avais pas de filaire? Non. Ok. Putain, il fait que tenir au Donc sol là. encore. Bon, bah on va arrêter proprement alors. On va arrêter proprement. Ok. Bon. Ce qu'on va faire, c'est Je fais un plein de répète réflexe réfacto. peut-être. Ouais, vas-y. Ouais. Ouais, comme on l'a déjà dit, je sais plus où, ou peut-être on vous l'a pas dit, mais on code toute nouvelle chose en live. Donc comme ça, ceux qui suivent en fait d'un live sur l'autre ont tout le temps voient tout le temps les nouveautés. Par contre, ce qu'on se permet de faire, c'est en off, on se permet de refacto, voire de fixer les petites choses qui ne marchaient pas. Par exemple, la dernière fois quand on a fait le live, on n'avait pas réussi à tester que ça fonctionnait bien la mise à jour des préférences parce que notre VM nous avait lâché en cours de route. Donc du coup, ce qu'on s'est permis de faire, c'est de tester le code qu'on avait aircodé la dernière fois. Et on s'était permis de le tester et de fixer les problèmes. Bon, a priori, pas tout, puisque vous avez vu que au début, ça clochait un peu, quoi. Mais c'est réparé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tous les tests qu'on a fait sur les règles, on va les refacto, histoire que ce soit quand même plus lisible et plus maintenable à l'avenir. Et puis là, on va laisser en plan ce qui est la roue, ce qui est tout le code lié à la roulette. Et la prochaine fois qu'on stream, et on fera justement ce code-là. Voilà. Si C'est ça te ça. va, Charlie. Ok. Et puis du coup, je pense qu'on va arrêter là. À chaud comme ça, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous avez des retours à nous donner là pour qu'on s'améliore la prochaine fois. Mis à part le Charlie, achète-toi du matos pour que ça grésille pas et que ça tienne plus d'une heure et demie. Parce que là, j'ai vu un emoji là de Morphiche qui a l'air d'être une personne au fond du désespoir. C'est quoi cet emoji? Not like this. On est vraiment désolé. De code Moncas, ça veut dire quoi du code Moncas? Je suis désolé, je pense que là, il me manque une référence. Bon, il te manque une Une référence aussi, on est tous les deux des noobs, Charlie. langage de jeunes. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on a changé notre config. Ah, c'est une émote. Ah, pas assez de code, il voulait dire en fait. Ok. Ouais. Il faut une extension à Twitch, ok. Ouais, on va continuer à regarder un petit peu nos réglages de son, j'ai Grignon. Et ouais, Morphiche, ouais, désolé, c'est vrai que ce qu'on s'était dit aussi, c'est que c'était sympa de découvrir un petit peu les choses avec vous. Après, c'est vrai que ça donne peut-être un rythme qui est un peu plus lent. Si vous préférez que ce soit plus rapide, ça nous obligera à préparer peut-être un peu plus en amont, être un peu plus sûr de ce qu'on fait. Et du coup, peut-être qu'on déroulera un peu plus vite. Je sais pas ce que t'en penses, Charlie. Si. Il y a quelqu'un d'autre qui a des
des remarques, petit débrief à chaud, là, histoire qu'on s'améliore en fait d'une fois sur l'autre pour que ce soit plus sympa pour vous. Ça continue à être bipé dans les oreilles pour te dire que ça va couper, c'est ça? Non. J'attends, c'est un peu le silence, le calme avant la tempête. Ok. Du coup, toi, ça va, t'as bien aimé J'ai grignon. Peut-être un peu trop lent du coup, mais après, ouais. Comme on le dit, on démarre sur tout. Donc du coup, bah, ça prend du temps. Ouais. Peut-être un peu plus anticipé parce que tu vois là par exemple le Firebase Admin, on n'avait pas trop anticipé Ouais, mais ça c'est vrai qu'on aurait que cette partie-là. je l'ai oublié, mais c'est aussi parce que je l'ai utilisé qu'une fois auparavant, donc du coup, bah, j'avais pas Ok. ça en tête. Bon, ce qu'on va essayer de faire, je pense, c'est qu'on va essayer de un petit peu mieux voir quels sont les outils qu'on aura besoin avant, peut-être se renseigner un petit peu plus, comme ça on pourra faire un peu plus de code. Parce que c'est vrai que je comprends aussi la frustration de. Là, ça y est, enfin, on a pris les choses en main, on allait rentrer dans le dur du code, et puis, bah, finalement, non. Ok. Bon, bah, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Bah, merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi. Et puis, bah, si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous envoyer sur Twitter ou Ou autre. faire des issues. N'hésitez pas, ouais, ou faire des issues, tout à fait. C'est Oktoberfest, donc du coup, il y aura peut-être des good first issues sur des Ouais. trucs qui ont déjà été faits. Pas sur le nouveau, parce qu'on se garde quand même le nouveau, mais sur du refacto ou Oui. des choses, voilà. Alors oui, c'est vrai que alors un truc hyper sympa, je sais pas si Cola il est là Ou s'il est passé. mais ou s'il est passé mais il nous a fait une super PR du coup la semaine dernière. Par contre, en fait, il commençait à rajouter des choses nouvelles qu'on n'a pas encore fait. Du coup, c'est vrai que ce que disait Charlie là à l'instant, c'est vous pouvez nous proposer des améliorations, il n'y a aucun souci. Par contre, plutôt ouais, voilà, sur des choses qu'on a déjà fait, donc plutôt du refacto, parce que bah, on garde toutes les nouveautés pour le live comme on l'expliquait tout à l'heure, quoi. Sinon, en fait, il va se passer trop de choses hors live et ce sera difficile pour ceux qui veulent suivre au fur et à mesure de se dire, ah bah tiens, il y a des choses qui ont changé entre-temps, ce sera un peu dommage. Voilà. Bon, bah je pense qu'on va arrêter alors. Bah merci à tous et puis bah bonne fin de soirée et à la prochaine. Ciao. Salut!